502 femmes au plan national disposent désormais des capacités nécessaires en tant que leader politique. La formation qu'on a eue au sein du PAEG, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus développé. Et il y a eu de nouvelles thématiques qu'on n'avait pas eues lors du décafé. Et je pense que tout ce qu'on a eu comme enseignement, c'est ce dont nous, femmes, qui avons l'ambition d'aller et réussir en politique, c'est ce dont on a besoin qui nous a été réellement enseigné. Les 4 modules nous ont vraiment donné la capacité de représenter nos camarades, d'être élus et de défendre notre pays partout où besoin sera. À travers le programme d'appui à l'égalité de genre, elles ont été formées sur le leadership féminin, comment tenir un discours en public pour une meilleure détermination dans leur parcours de militante. Il s'agit d'un moment de donner et de recevoir. Ce qui nous réunit ici, c'est le renforcement du leadership politique féminin. Il s'agit d'œuvrer pour une meilleure implication des filles et des femmes dans la prise de décision de la gestion de la cité. Ce programme d'appui à l'égalité de genre a identifié dans les 12 départements 502 femmes qui, avec l'implication des organisations de la société civile, suivent donc un processus de renforcement de leurs capacités conformément à un référentiel de formation élaboré à cet effet et que nous avons eu à valider ensemble. Leadership politique dont les fondamentaux restent quand même le mérite et aussi le discernement. Des femmes engagées, leaders de qualité et porteuses de paix sont ainsi déployées sur l'échiquier politique. Cette rencontre d'échange à bâton rompu avec les jeunes femmes leaders du PAEG Zone 3 Atlantique Littoral, Ouémé et Plateau, témoigne une fois encore de l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à œuvrer pour la réduction de l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est une démonstration du fonctionnement de ce dispositif anti-intrusion, un arsenal de sécurité parmi tant d'autres, présenté à cette première édition du Salon de la sécurité, de la sûreté et de l'assurance du Bénin. Vu les défis et challenges auxquels doivent faire face les sociétés de sécurité et les compagnies d'assurance, à tes conseils, la Bénin, un partenariat avec le patronat des sociétés de sécurité privée a jugé bon d'organiser ce salon d'exposition pour permettre à tous les acteurs et bénéficiaires des services de sécurité sur toutes leurs formes et services d'assurance afin de profiter de ce cadre d'échange et de dialogue pour tendre vers l'amélioration de leur offre suivant la demande qu'exige la clientèle. Nous voyons ce salon comme un événement international. Nous voulons créer une plateforme sur Cotonou où les gens se donnent rendez-vous tous les 2 ans pour venir échanger sur les défis sécuritaires, les offres sécuritaires. Ce salon qui porte sur un enjeu majeur a été l'occasion pour le public d'interagir avec les spécialistes à travers panels et conférences débats. Quand on va au tribunal, on conduit quelqu'un pour un procès. Peut-être après sa capture au niveau caméra de surveillance, on nous demande est-ce que ce caméra-là a été enregistré avant son placement ou la surveillance. Une chose est claire, vous avez besoin d'une autorisation avant d'installer la moindre, une seule caméra. Les défis sécuritaires, au-delà de l'aspect physique, intègrent également l'aspect protection des données personnelles. Les normes existantes en la matière ont donc été passées au pain fin. % des maladies humaines existantes et 75% des maladies émergentes humaines sont d'origine animale. Des chiffres qui justifient l'engagement de ces vétérinaires qui tiennent aux enjeux de la santé publique. L'objectif des journées vétérinaires du Bénin est d'améliorer la visibilité du rôle essentiel joué par les vétérinaires pour réduire l'incidence des zoonoses, améliorer la qualité sanitaire des aliments
et contribuer à l'amélioration de la santé humaine et la constitution de la richesse de notre pays. On dénombre aujourd'hui 5 nouvelles maladies humaines émergentes tous les 3 ans, dont 3 sont d'origine animale. On peut citer parmi ces maladies la grippe aviaire, les fièvres hémorragiques telles que Ebola, Lassa, les syndromes respiratoires aigus, dont le plus connu fut la COVID-19, et nous avons l'actuelle actualité du MPOS. Et pour réduire la propagation de ces maladies, il est important d'améliorer la performance des systèmes de santé afin de faire face aux risques de santé liés au changement climatique, au fort taux d'urbanisation et à l'intensification du commerce d'animaux vivants. Il est donc crucial que les services vétérinaires soient à l'avant-garde de la lutte contre les menaces sanitaires d'origine animale en renforçant la pratique, les connaissances et la collaboration intersectorielle. Les services vétérinaires de bonne qualité représentent la pierre angulaire d'un environnement favorable pour la lutte contre les maladies animales. La lutte contre ces maladies implique la préservation des ressources animales. Elle favorise également l'accès aux soins et à la protection des animaux ruraux, urbains et périurbains. Commune lacustre de Souava, une équipe médicale au service des populations, une initiative de la Faculté des sciences de santé FSS de l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'agit des consultations foraines suivies de séances de distribution de moustiquaires. La commune lacustre, comme vous le saviez, comme vous le connaissez, est une zone d'accès difficile. Raison pour laquelle le doyen de la Faculté de médecine, en collaboration avec le maire, ont décidé de faire bénéficier des soins gratuits à la population de la commune lacustre. C'est aussi une opportunité pour ces équipes médicales de découvrir la commune lacustre, de s'imprégner de quelques difficultés que nous avons. La FSS met ainsi en place une dynamique de collaboration entre autorités locales et responsables universitaires. Deux équipes de médecins spécialistes, de généralistes, de pharmaciens, de kinésithérapeutes, de nutritionnistes diététiciens, de travailleurs sociaux et infirmiers sont ici pour vous accompagner et répondre à vos préoccupations. Ça, je vise vraiment pour voir l'innovation au Bénin et à la FSS en particulier. Ainsi, ces consultations réalisent une circonstance pour les enseignants de vérifier l'adéquation entre ce que nous enseignons aux futurs médecins et agents de santé et ce qui est sur le terrain. Ces consultations foraines viennent combler un besoin urgent en apportant des soins de qualité à proximité des populations qui en ont le plus besoin. Elles représentent non seulement un acte de solidarité, mais aussi une preuve de l'engagement des professionnels de santé à servir avec dévouement. Cette opération dure 2 jours. 2 jours de consultation gratuite. Une communication inaugurale sur le cadre intégrateur capte l'attention de ces acteurs conviés par WeWorld et ses partenaires. Leur mission est de contribuer au développement de Nati Tengu en œuvrant pour la préservation de la paix et la cohésion sociale. Au cours de son prêche le vendredi, que l'imam parle de paix et de cohésion sociale, vous voyez le nombre de personnes qui peuvent être impactées. Il en est de même pour le pasteur, pour les curés et pour les autres religions. Donc nous n'avons pas invité les gens au hasard. Donc en accompagnant aujourd'hui la mairie au lancement officiel du cadre intégrateur, nous voulons marquer notre engagement pour la paix et la cohésion sociale. Le cadre intégrateur sera cet outil-là qui sera là pour faciliter non seulement les échanges entre les organisations de la société civile et la mairie de Nati Tengu, d'une part, et d'autre part, de faciliter la redevabilité à l'endroit des populations de la commune de Nati Tengu. Il y a d'autres communes, suivant les spécificités, peuvent aller à 15. Mais nous, on a jugé bon
d'aller à 12 parce que nous pensons que les 12 prennent en compte un certain nombre quand même de domaines qui sont prioritaires en termes de développement pour la commune de Latitengo. Je suis persuadé que grâce à votre mobilisation, cet outil jouera un rôle majeur dans la construction de Latitengo de demain, une commune intelligente. Le cadre intégrateur est déjà une réalité dans les zones d'intervention du projet Média B, soit au total 12 communes. Des sacs, des cahiers, des stylos et bien d'autres fournitures. De quoi donner un autre sens à l'année scolaire de ces 97 orphelins. Nous sommes heureux et émus pour cette marque et cette générosité à notre endroit. Nous sommes également convaincus que nos parents décédés seront fiers de ces dons et fournitures. D'ailleurs, leurs esprits sont avec nous actuellement et vous soutiennent. Cette joie émane d'Educo Bénin, fidèle à sa mission de protection et d'éducation des enfants. Aujourd'hui, en voyant le sourire sur ces enfants qui sont parmi nous, on ne peut que nous réjouir. Nous ne pouvons que continuer à avoir la force à travailler, à mobiliser les ressources et à continuer à soutenir les enfants du Bénin. Dans la maison des médias, les enfants présents aujourd'hui viennent de divers départements, le Plateau, l'Ouémé, le Koufo, le Mono, l'Atlantique et bien sûr le Littoral. Pour ces enfants qui n'ont pas pu se déplacer et qui se trouvent à l'intérieur du pays, nous veillerons à ce que les kits scolaires leur soient parvenus. Ces enfants devenaient comme un modèle Raphaël Tirimé. Tous les premiers au bac qui vont vouloir faire la médecine, je suis prêt à les aider. Ce tact d'Educo Bénin n'est pas le dernier à l'endroit des orphelins de parents professionnels des médias. L'ONG s'engage à veiller et assurer leur éducation. L'ouverture du campus privé de la Haute École de Commerce et de Management HECM d'Azovès s'inscrit dans le plan stratégique de développement de cette prestigieuse école qui ne cesse d'étendre ses tentacules à travers le Bénin. Son objectif, distiller une formation de qualité en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ces locaux offrent un environnement d'apprentissage stimulant et des installations de pointe qui permettront à nos étudiants de réaliser leur plein potentiel. Grâce à HECM Ablaoué, nous avons la chance de pouvoir poursuivre nos études dans des conditions optimales sans avoir à quitter nos familles, nos amis, notre ville. L'établissement privé d'enseignement secondaire prépare au diplôme supérieur d'État, en licence et en master dans les domaines de gestion et de technologies nouvelles. C'est l'engagement d'un homme qui, résolument, a pour ambition d'offrir une éducation de qualité adaptée aux besoins du marché de l'emploi et aux aspirations des jeunes. Il veut juste quitter le campus pour aller manger là-bas de la veille. Ils ne veulent pas jouer avec leurs parents pour souffrir moins. Notre parcours a été très convaincant, aussi bien pour les autorités de notre pays que pour les usagers de l'établissement. Et ceci n'est pas seulement valable au Bénin, puisque beaucoup de pays d'Afrique, surtout francophones, envoient des étudiants se faire former chez nous. Et nous avons jusqu'au 14 octobre pour permettre à tous ceux qui vont s'inscrire de bénéficier du tarif promotionnel qui leur fait économiser 100 000 francs sur les frais de scolarité. Jusqu'au 14 octobre prochain, les populations sont invitées à des journées portes ouvertes pour découvrir les offres de formation disponibles à la Haute École de Commerce et de Management d'Azovè. Les élections communales depuis 2003 jusqu'en 2020, les chiffres montre à suffisance qu'il reste encore du chemin à faire par rapport à la promotion du leadership féminin.
Touché par cette forte présence de l'homme dans le champ politique au détriment de la femme, le programme d'appui à l'égalité de genre PAEG s'est engagé à inverser la tendance à travers ses sessions de renforcement de compétences. Que cet atelier de formation soit l'occasion de concrétiser un vœu, celui de faire en sorte que les partis politiques qui constituent une partie prenante importante pour la mise en œuvre du programme d'appui à l'égalité de genre puissent avoir un meilleur ancrage avec le programme à amener les bénéficiaires à la maîtrise des notions essentielles qui seront vues ensemble. Le programme d'appui à l'égalité de genre PAEG, financé par la coopération suisse mise en œuvre avec le gouvernement béninois, veut à travers ces séances mettre fin aux inégalités entre les sexes, ce qui permettra de réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. La question du leadership féminin, c'est surtout ces aspects qui manquent aux femmes et qui font qu'elles ne se décident pas, n'aiment pas s'ingérer dans le milieu politique. On attend à ce qu'on nous inculque les valeurs de comment est-ce qu'une femme en politique pourra s'engager. Parce qu'une fois engagée, elle constitue une source, un bénéfice pour son entourage, non seulement pour sa famille, aussi pour la société. À l'issue de ces sessions de formation, les femmes leaders engagées seront en mesure de s'afficher sur la scène politique. En plus de la capitalisation des expériences acquises pour l'atteinte des objectifs du projet SWED, il s'agit pour les parties prenantes de passer en revue les réalisations du plan de travail trimestriel et de se projeter sur les derniers mois à venir. Il sera question d'examiner le plan de travail tenant compte des 2 mois restants pour pouvoir boucler la mission à nous confier, de nourrir les réflexions de façon constructive pour pouvoir utiliser de façon optimale le temps qui nous reste pour boucler à bien notre mission. Cette revue du trimestre 1 des sous-projets de la composante 1 est donc l'occasion pour ses membres d'analyser les performances de leurs différents programmes budgétaires et de prendre de nouvelles résolutions. Pour notre part, je vais parler de l'unité de gestion du projet. Le trimestre écoulé nous a permis quand même de pouvoir évoluer sur certaines activités phares, notamment le déroulement des cours de vacances, qui est une première expérience au Bénin, à l'initiative du gouvernement béninois. L'équipement des jeunes filles adolescentes formées par le consortium Plan Bénin, et qui était donc un grand défi à la fin de notre mission. Et enfin, la formation des comités de veille, des comités de suivi de nos sous-projets, qui est en même temps un premier pas que nous posons par rapport à la logique de pérennisation de ce projet-là. Mais ces 3 grandes activités réalisées qui ont marqué le trimestre écoulé et ne nous permettent pas aujourd'hui de conclure que ce trimestre a atteint les objectifs escomptés. Il n'est jamais mauvais de trébucher, mais ce qui serait criminel, c'est de rester couché. Relevons-nous pour que SWED puisse atteindre véritablement les objectifs qui lui sont assignés. Au terme des travaux, les participants auront une meilleure connaissance des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. Du soutien en nature et en espèces pour prêter main forte aux pensionnaires du centre d'accueil de Mouillon à Aboumé en situation de vulnérabilité. Le don, composé de fournitures scolaires de vivres et d'une enveloppe financière, est un geste de générosité de la Fondation Farid Danko. Il ne faut pas attendre toujours que le gouvernement, l'État fasse des choses. L'État fait de son mieux. Je suis arrivé ici, j'ai vu tellement de belles choses que le gouvernement fait. Et c'est pour cette raison en fait, qu'il faut qu'on s'unisse pour faire quelque chose de bien dans la vie de nos enfants. Nous n'avons pas besoin d'être millionnaires, milliardaires pour faire quelque chose dans la vie des enfants de notre pays. À notre petite échelle, on a fait ce qu'on pouvait. Des moments festifs pour exprimer la joie et la gratitude de ces orphelins aux responsables de la fondation qui leur offre ainsi la chance de passer une bonne année scolaire. Je dis merci beaucoup à la fondation
pour votre aide avec nous, les enfants de ce centre. Que Dieu vous bénisse et qu'il y a de l'évolution avec votre projet. Nous prenons en charge les enfants, les pleins orphelins. Et surtout, nous sommes spécialisés dans la prise en charge des enfants dissociés. Pour notre priorité, c'est d'abord accueillir ces enfants, car c'est souvent eux qui se retrouvent dans les rues. Mais aujourd'hui, ils ont reçu des parents de qualité. Nous vous disons merci. Les responsables de la Fondation Farid Danko ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils s'engagent à poursuivre leurs efforts et à travailler en étroite collaboration avec les pensionnaires de l'orphelinat afin de soutenir ces âmes innocentes qui en ont le plus besoin. La deuxième phase du programme de redevabilité qui arrive à son terme s'est établie sur 4 années. Elle a œuvré pour que les citoyens jouissent de plus en plus de leurs droits socio-économiques et politiques grâce à la systématisation de la demande et de l'offre et à l'efficacité des institutions de régulation et de contrôle. La coopération suisse apporte son appui technique et financier. Les parties prenantes ont assuré la mise en œuvre des actions à partir d'une pléiade de thématiques, parmi lesquelles nous trouvons la redevabilité judiciaire, la redevabilité sociale, qui est le suivi de la démarche qualité dans l'offre des services essentiels pour le bien-être des populations. Fort de ces 9,6 millions de francs suisses, on parle environ de 6 milliards de francs CFA, il a permis de développer un réseau avec l'expertise de l'opérateur GFA, Consulting Group, pour assurer la cohérence du processus d'apprentissage et de gestion des savoirs, sans oublier l'apport thématique du regard extérieur de l'équipe de Red Consulting. Des initiatives qui cadrent avec les réformes initiées par le gouvernement béninois pour le mieux-être des populations. La systématisation de la redevabilité est un combat de longue haleine. C'est un travail qui doit être fait sur les mentalités, sur les comportements, sur la respiration, dans les démarches de chacun de nous. Il est donc essentiel de continuer à soutenir les efforts nationaux en matière de redevabilité et de bonne gouvernance. La troisième phase de ce programme a été systématiquement lancée, toujours pour une durée de 4 années. Deux journées célébrées en une pour apporter un appui technique au plaidoyer des droits à la santé sexuelle et reproductive. Les questions de contraception et d'avortement sécurisé sont au cœur des échanges de cet atelier de réflexion initié par Care Bénin Togo pour analyser les risques liés au décès maternel et apporter un appui technique au plaidoyer des DSSR. Par rapport à d'autres pays, le Bénin a mis en place la possibilité pour des femmes en grande détresse d'avoir recours et à certaines conditions à l'avortement. Célébrée depuis 2020, la journée internationale de l'avortement sécurisé, chaque 28 septembre, avec les membres du réseau des parties prenantes. Cette édition co-célébrée avec l'ONG Care Bénin Togo, dont je salue la présence du représentant résident, appelle à réfléchir sur les DSSR à la croisée de l'environnement juridique actuel apparemment favorable, mais ne doit pas faire baisser notre vigilance, car les défis restent encore nombreux. Travailler à réduire considérablement la mortalité maternelle à la croisée de l'environnement juridique au Bénin, un défi majeur qui nécessite une fédération des actions. Au niveau du système de santé nationale, plusieurs avancées sont notées, surtout dans les domaines de la prévention contre la mortalité infantile, la réduction des cas de décès maternel, la prévention contre les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Dans le cas de l'avortement sécurisé, il y a eu la loi qui a été votée pour faciliter l'accès aux soins complets d'avortement, notamment l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est encadré par la loi, contrairement à ce qui se passait avant. Et pour la contraception, je peux également annoncer que des mesures sont en train de,
d'être prises au niveau du ministère pour rendre gratuite la contraception. Accélérer la réduction des décès maternels d'ici 2030 grâce à l'accès universel au DSSR est le thème de la célébration qui marque également les 25 années d'existence de l'organisation Cœur Bénin Togo. Ses compétiteurs sont venus des 6 communes du département de la Libourie pour prendre part à cette 6e édition du Festival départemental des activités ludiques. Cette initiative vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'objectif de cette activité, c'est de promouvoir le loisir éducatif. Nous sommes à notre 6e édition. Et nous avons fini avec les phases communales et ce jour nous sommes à la phase départementale. Ces participants ont compéti dans plusieurs jeux, notamment les jeux de dames, d'adi, de tabourou et de belote. Nous avons deux catégories de jeux. Nous avons les jeux classiques tels que la belote et jeux de dames. Et les jeux de chez nous, le consommons local et nous avons adi et tabourou. Toutes les fois que nous organisons cette activité, il y a une forte mobilisation. Et vous allez dû remarquer que quand il s'agit de jeux de tabourou, par exemple, il y a plus de personnes d'un âge certain qui viennent plus parce que c'est la pratique qu'ils aiment dans les villages. Je suis très heureux de revenir encore dans cette compétition car pendant 2 ans, j'avais pris la retraite pour permettre aux autres de montrer aussi ce qu'ils savent faire. À ma grande surprise, je suis revenu, j'ai encore remporté. Je suis content. Je suis le champion du jeu Adji de l'édition 2024 que nous venons de terminer. Je voulais remercier tous les organisateurs pour avoir mis les petits pas dans les grands afin que cette fête soit une réalité. Les meilleurs à cette 6e édition ont reçu des prix, des trophées et partent chacun avec des enveloppes financières. Au menu de cette 3e rencontre statutaire, le rapport d'activité de 2022 à 2024. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif du bureau de l'ARECAM pour ce mandat de 2 ans qui s'est achevé. Accroissement de l'effectif, campagne de mobilisation de ressources, amélioration de l'appui sanitaire au profit des membres et organisation d'activités de réjouissance. L'objectif est de faire mieux avec plus de soutien. Merci pour les appuis dont nous sommes annuellement bénéficiaires et qui permettent au comité de gestion d'apporter une modeste contribution au coût des soins médicaux des membres en l'absence d'une prise en charge. Face à l'accroissement continu de nos membres, notre souhait est de voir se pérenniser le soutien du réseau avec un appui substantiel. Les sacrifices de ces aînés pour la maison Fessekam en Bénin ne sont pas oubliés. Pour les actuels responsables de cette institution de microfinance, ça reste une source de motivation. L'ARECAM peut toujours compter sur leur appui. Vous êtes des pionniers. Vous avez créé la Fessekam à partir de rien. La Fessekam toujours plus forte. Et donc, nous autres, nous allons travailler apporter ce flambeau que vous avez laissé. En effet, les retraités constituent une richesse. C'est un réel plaisir pour le conseil d'administration de la Fessekam Bénin de vous accompagner. Le Tout-Puissant qu'il vous donne la santé et la longévité. Les membres de l'amicale ont renouvelé pour 2 ans encore leur confiance au bureau sortant à l'exception d'un membre remplacé pour raison de santé. Et pour l'AGO 4, ces retraités de la Fessekam Bénin se donnent rendez-vous à Porte-Novo, la capitale du Bénin.